l'atelier d'art plastique d'aujourd'hui, tu as besoin d'une feuille blanche A3, d'un set de table plastique lisse ou une toile cirée, quelque chose de lisse où on pourra mettre la peinture, de la gouache vert, tu peux utiliser deux couleurs, de la gouache de couleur, une petite palette, des bouchons et des cotons-tiges. Tu vas prendre ta gouache verte et tu vas verser doucement quelques gouttes. Forcément, ça ne marche pas. Voilà, sur ton set de table bien lisse, tu verses un petit peu de peinture. Puis, avec tes doigts, tu vas étaler la peinture sur la feuille. Bien sur le set de table, bien partout. Tu remplis, tu étales. Tu vas bien jusqu'au bord. Voilà, j'ai étalé la peinture partout. Maintenant, je vais prendre ma feuille blanche de dessin et je vais venir la poser au-dessus de la peinture. Une fois qu'elle est posée, j'appuie avec mes mains, j'appuie partout. J'appuie un petit peu. J'appuie partout. Quand j'ai bien appuyé, je soulève et je vais mettre à sécher. Je peux en faire une deuxième. Sans changer de peinture, je remets une deuxième feuille. Je peux appuyer un peu plus fort. J'appuie bien fort. Et quand j'ai bien appuyé partout, de nouveau, je soulève et je mets ma feuille à sécher. Je vais laisser sécher et quand ce sera sec, on viendra faire les fleurs, les arbres. Avec une petite cuillère, je viens chercher un petit peu de peinture, il ne m'en faut pas beaucoup, que je vais mettre sur ma palette. Je fais ça aussi pour les autres couleurs. Alors, moi, j'ai choisi ces trois couleurs-là parce que c'est ce que j'avais. Et tu peux prendre plus de couleurs si tu veux. Maintenant, j'ai des bouchons et mes cotons-tiges. Je vais récupérer mon fond vert. Je vais prendre mon bouchon. Je vais les mettre un petit peu de peinture. Et je vais poser mon bouchon régulièrement, comme je veux. Ça imprime plus. Je remets de la peinture et je vais faire mes fleurs dans mon paysage. Voilà, j'ai imprimé avec le bouchon. Je prends mon coton-tige et là, je viens faire des petits points autour des plus gros. Je peux aussi mettre des petits points tout seul, isolés, pour faire les fleurs. Je peux aussi changer de couleur. Et j'essaye, je pose, je lève, je pose, je lève. Je peux m'en faire des tout seul. Si j'ai quelque chose de plus gros que du bouchon, je peux aussi poser des choses plus grosses pour faire les arbres. Voilà, à toi d'en mettre bien partout. Voilà, j'ai fini de faire les ronds, les arbres, les fleurs. Je mets mes deux feuilles ensemble si j'en ai fait deux. Alors, il faudra essayer de mettre du vert vraiment jusqu'au bout de la feuille pour que ce soit bien, qu'il n'y ait pas trop de blanc quand même. Et la suite, ce sera la semaine prochaine. Bonne peinture !